ただ気づく、入っていく、こう出ていく。一行目です。ブッダのお経の一行目。Contemplations before eating. This food is a gift of the earth, the sky, numerous living beings, and much hard work and loving work. はい、いただきまーす。ぜひ、横の人、前の人にちょっと微笑みながらいただきまーす。はい、いただきまーす。いただきまーす。いただきまーす。微笑みね。はい。はい。OK、じゃあ、15分、静かに。Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est dans un sanctuaire, dans un temple. On est à Fuji Yoshida, donc au pied du mont Fuji, là on a tourné en fait le documentaire sur Tamaki, sur le textile. Et en fait son frère est un prêtre Shinto qui habite en Thaïlande depuis 2 ans, qui font de la méditation, etc., etc. Et là il est de retour au Japon pendant 2 semaines. Et donc du coup Tamaki nous a dit bah venez rencontrer mon frère et tout, ce serait super cool si vous avez du temps. Donc on lui a dit bah ouais carrément. Ils vont manger en méditant. Ils vont manger en méditant, après ils vont s'asseoir en méditant et après ils vont marcher en méditant. C'est une journée de méditation. C'est ça, apparemment ils font de la méditation tout le temps, donc voilà, nous on assiste à ça, on ne connaît pas grand chose. Quand on est rentré, les gens nous ont regardé genre qu'est-ce que c'est que ces gens ? C'était trop marrant. Bon bah cette petite séance de méditation Shinto était bien cool, on a pris quelques photos, un peu de vidéos. Donc c'est le frère de Tamaki qui vit en Thaïlande. Il est moine bouddhiste maintenant. Hein. Mais bouddhiste et Shinto c'est pas différent. Bouddhiste et Shinto, c'est pas différent. Ah, c'est différent, mais il vient d'une famille Shinto, mais il est devenu moine bouddhiste en Thaïlande. Ah d'accord, ok. Donc il vient d'une famille Shinto, il est devenu moine bouddhiste en Thaïlande. Et il a un lifestyle, comme vous pouvez vous y attendre, où il ne mange pas de viande, aucun contact physique avec les femmes, enfin très, très carré. C'était intéressant de l'écouter parler, vu qu'on a parlé pendant 10 minutes ensemble. On va pas voir grand chose. Ok les amis, des fois dans la vie, faut prendre des risques. Voilà. Ah, ça fait même pas le focus, tellement ça a l'air dégueu. Je viens de faire le focus avec mon nez. Il y a marqué Madagascar, c'est vrai. C'est vrai. Pour les gens qui m'ont demandé si Georgette était asiate, non. Non, non, elle est moitié malgache, mais elle n'est pas asiate. Mais ça se trouve, en fait, c'est juste de la glace fondue. Hein. Ça a l'air dégueulasse. Bah ça va. Ça a quel goût ? Un goût de glace fondue. Tu vois la glace à la vanille que tu prends en grosse boule et que tu laisses au soleil. Voilà. Bon, à mon avis, dans 3 gorgées, je trouve ça écœurant, mais. Tu ferais pas, mais. Non. Pourquoi? Ça a l'air dégueulasse. Pourquoi? C'est que des produits chimiques, non? Wouah, c'est du plutonium. Il y a des nuages, mais on voit le bout du sommet du mont Fuji. On aimerait bien faire des photos, donc là on est venu dans un des endroits les plus touristiques, enfin les plus connus hein, du game japonais. Donc cette photo vous l'avez forcément vue. C'est une pagode la japonaise, c'est une tour avec le mont Fuji au loin. Et cette photo tout le monde l'a faite, donc bah, j'ai envie de la faire aussi. Et là c'est un peu original parce que bah, les nuages coupent le mont Fuji en deux, donc ça peut être joli. En espérant qu'en arrivant en haut il sera pas tout recouvert. Qu'on se mette d'accord, ça monte très fort. Georgette m'a dit par devant et en bas là. C'est vrai que ça monte fort putain. Classique, basique. Bonjour. Bonjour. Donc là on est venu où ? À Chuleto Pagoda. Yes, pour voir la vue. La vue en fait. Alors pas celle-là, parce que nous on n'a pas les cerisiers. Mais c'est magnifique. Le seul objectif dont j'avais besoin pour faire la meilleure photo, il est dans la voiture. Tu peux redescendre ? Bah, les ah non. Mais 1 km de pente. Ah non, non. Eh, là, je redescends pas. Hein. Je fais avec ce que j'ai. C'est bien ? Donc évidemment, il y a toutes les petites chinoises Instagram qui viennent faire leur meilleure selfie et leur meilleure photo par leurs copains devant ce paysage. Et moi, Georgette, elle bouffe une pomme. Voilà. Voilà à quel point on est alternative, quoi. Oh merde ! Maintenant qu'on est là, bah, j'en profite pour regarder à quoi elle sert cette pagode parce que finalement tu la vois partout quand tu tapes Japon sur Google et tout, mais je savais pas du tout à quoi elle servait. Et visiblement c'est le maire de Fuji Yoshida
qui a demandé en 1958 de faire ça pour honorer les morts de cette ville en fait. Toutes les guerres dans lesquelles, auxquelles les Japonais ont participé, on va y arriver, depuis 1868, il y a beaucoup de gens de cette ville forcément qui sont morts, 960, et cette pagode, c'est un monument aux morts en fait. Qui a coûté 9 millions de yens. Qui a coûté 9 millions de yens, hein. Oh la vache. Alors, aujourd'hui on est à Fuji-Q, parce qu'en fait, du coup, on est à Fuji-Yoshida, qui est juste à côté de ce parc d'attractions dans lequel j'avais toujours eu envie d'aller. Il y a des culs qui font caca, les gens sont dessus. Il y a des culs qui font caca, les gens sont dessus, c'est vrai. C'est absolument ce qui est en train de se passer devant nous. Du coup, on est venu se balader un peu, voilà, profiter, moi je suis malade là, j'ai des courbatures partout, j'ai mal à la gorge, mais ça arrive. On va faire un tour dans le parc. Donc en fait l'entrée du parc est gratuite. C'est un parc d'attractions, hein, à la Disney, etc. Et en fait on paye pour les manèges. Donc tu peux choper un ticket avec tant d'argent pour faire tant de manèges. Soit tu rentres gratos et tu payes les manèges un par un. Il y en a, ça va jusqu'à 2000 yens. Il y a des trucs de ouf, moi j'adore tout ce qui est looping et tout. J'en jette un peu moins. Ouais, même pas du tout. Donc voilà, là on est juste là par curiosité. Et voilà. Oh la vache. Bah moi qui suis malade, un truc avec plein d'eau comme ça, ça va être bien. Ça c'est pour toi MB. Si vous aimez les parcs d'attractions et que vous êtes au Japon, n'hésitez pas à passer à Fuji-Q, c'est pas loin, il y a des bus hein, qui depuis Shinjuku en 1h30 vous amènent là. Par contre je vous déconseillerais de le faire en période de vacances. Notamment Golden Week où ça va être un enfer, ça va être noir de monde. C'est mon frérot Rémi qui a fait ça là, pendant la Golden Week il y a 2 semaines. Il a fait un manège en une journée. Bon voilà, c'est à peu près ce à quoi faut vous attendre si vous venez en grosse période. Là en période creuse ça va, il n'y a pas grand monde. Fuji-Q sont comment? Ah ouais. Ça a l'air très cher quoi. Ça a l'air cher et il n'y a pas de décoration. Il y a plein de grands 8 mais il n'y a pas d'autres attractions autres quoi. Bah, y en a quand même. Moi je pense que c'est de la bombe. Même si j'en ai pas fait un seul.